ain't got that far. What's up boys, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour débriefer mon test des nouvelles Nike PG3 qui se trouvent juste derrière moi. J'ai pu me dégoter une version inédite, une version exclusive et très demandée d'ailleurs, qui n'est autre que le coloris NASA, qui a été designé bien sûr en collaboration avec l'agence gouvernementale américaine qui s'occupe des programmes spatiaux, et ça c'est plutôt cool. Pour les habitués comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo, et pour les nouveaux, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit en un clic et ça me donne énormément de force pour continuer à créer du contenu autour des chaussures de basket. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir en avant-première des images de ces Nike PG3 et notamment de mon test à la Hoops Factory. Et j'ai pu me les procurer le jour de la release, le jour de la sortie, le 26 janvier. J'ai dû me lever tôt, j'ai dû dire adieu à ma grasse mat du samedi matin. Mais bon, le modèle en valait le coup. Et généralement, sur ce genre de sortie sneakers basket, les stocks s'écoulent très rapidement. Bon, entrons dans le vif du sujet. Comme l'habitude, on va prendre le temps de jeter un œil aguerri et décortiquer tous les aspects de ces Nike PG3 qui ont littéralement déboulé comme une météorite sur le marché. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est simplement le fait que c'est une chaussure qui a été très bien travaillée, du moins dans ce colorway NASA. Il est bourré de plein de petits détails qu'on va regarder ensemble tout de suite. Premièrement, ce qu'on aperçoit, c'est le coloris orange très flashy à ses tapes à l'œil, avec une semelle intermédiaire et un chausson qui sont colorés de gris. On a bien sûr la semelle extérieure colorée en noir, et ça je vous en parlerai un peu en détail, notamment des motifs juste après. Et pour le reste, on a un mélange de couleurs, on a du bleu, on a du rouge et on a un peu de jaune. On a aussi un élément que vous pouvez pas louper, c'est le sticker Remove Before Flight. Donc quand je les ai achetés et que je les ai unboxés, c'était présent sur l'une des deux chaussures. Personnellement, je ne compte pas le garder, mais ça nous met réellement dans le thème spatial. Ce qu'on peut apercevoir aussi sur la chaussure que j'ai en main, c'est le patch avec le drapeau des États-Unis qui va ressembler au patch que portent les astronautes sur leur combinaison. Et sur la chaussure gauche, on a le logo PG qui est positionné sur la languette, mais aussi sur le support au talon. Parce qu'il faut pas oublier bien sûr pour quel joueur la paire a été conçue. Au niveau du tendon d'Achille, on va retrouver deux patchs différents. Le premier, c'est un logo de la NASA et il sera présent dans l'intégralité de ces PG3. Et sur la deuxième chaussure, on a le patch Apollo qui sera totalement différent d'une PG3 à l'autre. Personnellement, j'ai un patch Apollo 12, mais je discutais avec la page Insta Sneakers Conversations, que je vous recommande d'aller suivre d'ailleurs, shout out à eux, et avec Obsidia, qui ont chacun un patch différent sur la PG3 qu'ils ont reçu. Je trouve ça hyper sympa d'avoir différents patchs en fonction de la PG3 que tu auras acheté, et ça rendra la paire un peu plus unique à tes yeux. Au niveau des autres détails, on retrouve le code postal de la ville natale de Paul George, le 93552. Non, il ne vient pas du 9-3, mais ça correspond à la ville de Palmdale en Californie, qui abrite d'ailleurs une base de la NASA, d'où le fait qu'ils aient collaboré sur un modèle signature. Et enfin, on aperçoit la phrase « Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon » au niveau du talon. En bref, les Américains ont un proverbe très répandu. Quand on est déterminé à faire quelque chose ou à se dépasser pour réussir ses projets ou arriver à un objectif, généralement, ils utilisent l'expression « sky is the limit » pour dire que rien ne pourra les arrêter. Là, Paul George reprend ce proverbe et va encore plus loin en nous disant que ce sera pas le ciel la limite, mais que ce sera la lune. Donc là, vraisemblablement, PG positionne ses ambitions et ses objectifs très haut. Et d'ailleurs, il est en train de nous le montrer cette année avec la grosse saison
qu'il fait à OKC. Il est déterminé à tout pour devenir le meilleur joueur possible, quels qu'en soient les sacrifices. Et pour ça, on lui en voudra pas du tout. Vous avez vu? T'as en fait des choses à dire sur les différents détails. Carbor, c'est PG3 NASA et c'est pour ça que j'étais hyper impatient de vous donner mon avis. Je suis assez satisfait de l'aspect extérieur de ces Nike PG3. Elles dégagent vraiment un bon délire. J'aime les détails, j'aime l'aspect spatial, NASA, etc., etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le orange n'est pas hyper courant sur les chaussures de basket. Donc tu peux avoir un vrai flow quand tu les portes sur les parquets. Ça peut se porter hyper bien avec des coloris unis, type t-shirt noir et short noir, ou t-shirt bleu et short bleu aussi. Ça fera ressortir ta chaussure. Tu peux matcher ça simplement avec des habits sobres. Par contre, au niveau des languettes sur les côtés de la chaussure, j'aurais pas forcément choisi le bleu et le rouge. Je trouve que le rouge et le orange ne se marient pas très bien. Après, bref, c'est du chipotage, c'est du détail. L'aspect extérieur est vraiment sympa, mais je voulais quand même vous le partager. Maintenant qu'on a vu les différents éléments que comportent ces PG3, je t'invite à aller me donner ton avis dans les commentaires. Est-ce que ça te plaît ou pas du tout? Ou est-ce que tu partirais plutôt sur un autre colorway, comme le BHM ou le coloris simple en noir et blanc qui est sorti récemment et qui d'ailleurs me fait penser à la Hyperdunk. On va passer maintenant à l'aspect performance des nouvelles pompes de Paul George. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par la traction. Ces PG3 nous proposent des motifs circulaires qui s'inspirent d'ailleurs des cratères lunaires, donc on est 100% dans le thème spatial. Pour tout vous dire, le grip fonctionne très bien, ça couine pas des masses, mais c'est solide et ça fait le job. On a aussi des espaces entre les motifs qui sont suffisamment profonds pour dégager la poussière et ça c'est plutôt cool. Pour mes amis qui jouent en street, pour mes amis qui jouent en playground, ça devrait tenir le coup. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire au premier abord, c'est que la semelle est assez rugueuse, donc normalement il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Je pense qu'on peut dire que la traction de ces PG 3 est validée. Au niveau de l'amorti, pas de grande révolution sur ces PG, puisque Nike reprend le bon vieux zoomer qui est positionné au niveau de l'avant-pied, chose qu'avait déjà la PG 1 et la PG 2. En revanche, au niveau de l'arrière du pied, en comparaison avec les Nike PG 2.5 qui proposaient pas d'amorti et c'était assez rigide. Là, pour le coup, on a toujours pas d'amorti, mais c'est beaucoup plus souple. Donc, ce sera beaucoup plus approprié aux joueurs qui ont des petites douleurs au talon lorsqu'ils jouent des heures et des heures sans s'arrêter. J'ai pas ressenti de gêne particulière en jouant avec ces PG. On a un bon court de fil malgré tout. Et d'ailleurs, comme vous le voyez à l'écran, la mousse à l'arrière s'affaisse lorsqu'on appuie sur le sol, qui confirme le fait que ton talon sera bien protégé. On va passer maintenant au maintien que proposent ces Nike PG 3. Et c'est sûrement le point sur lequel je vais le plus attirer votre attention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une coupe mi-haute qui est à cheval entre le low et le mid, un peu à l'image de sa prédécesseur, la PG 2.5. Je dirais même un tout petit peu plus haute, puisque là, on n'a pas de chausson interne, c'est une pièce qui a été cousue au reste de la chaussure. Personnellement, je trouve que la grosse languette couplée à un style de lassage assez basique et qui part de très bas, ça permet de doser ton niveau de serrage, et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. La chaussure maintiendra très bien les orteils et le coup de pied. En revanche, je trouve que ça se corse un peu au niveau de l'arrière. Soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, et dans le jeu, je trouvais pas ça dérangeant. Mais ces PG 3, ce sera pas la paire la plus compacte du marché. En fait, la chaussure a été designée pour favoriser le confort, à défaut de favoriser un maintien optimal. Et je trouve que la forme de la chaussure s'inscrit clairement dans cet objectif. Et si je vous prends un exemple, je vous dirais le support au talon qui remonte et qui part vers l'extérieur, ce qui fait que ça va pas apporter un maintien maximal au niveau du tendon d'Achille. Et du coup, ça pourra en repousser plus d'un. Sinon, d'un point de vue général, le maintien global de la chaussure est dans la moyenne, mais ce sera pas le point fort de cette paire. Et si tu cherches à tout prix une paire qui te maintiendra hyper hyper bien le pied, j'avais fait un test des Kyrie 5 et c'était le point fort qu'elles proposaient. Elles étaient hyper compactes et elles serraient très bien le pied. Donc si jamais c'est ton critère numéro 1 dans le choix d'une chaussure de basket, t'invite à aller regarder mon test et à partir plutôt sur des Kyrie 5. On va passer maintenant au point de vue confort qui est selon moi le gros point fort de la paire. Et pour tout vous dire, la première fois que je les ai enfilés, c'était durant un tournoi, c'est-à-dire que j'ai fait 7 à 8 matchs en une journée et j'ai pas ressenti de douleur, de compression particulière. Mes orteils étaient au chaud, pas de souci d'engourdissement, rien du tout. J'ai réellement apprécié le confort qu'elles apportent à ton pied. Franchement, j'ai apprécié et je trouve que le confort que proposent ces PG est de grande qualité. Et ça devient limite rédhibitoire quand je me sens mal à l'aise dans une paire. Et pour info, le revêtement que propose le troisième modèle PG est beaucoup plus intéressant que ce qu'arborait la PG 2 et la PG 1 dans la mesure où là, on est sur un matériau beaucoup plus soft et je trouvais que le mesh n'était pas d'une souplesse révolutionnaire. Du coup, j'avais quelques appréhensions avant d'enfiler ces PG 3 et finalement, elles sont hyper confortables, donc c'est le top. On enchaîne avec la pointure que j'ai choisie sur ces Nike PG 3. On est chez Nike, comme d'habitude, donc prenez votre taille habituelle. Pour ceux qui ont les pieds larges comme moi, une demi-taille au-dessus, ça fera le boulot. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et j'ai pas regretté. En termes de durabilité, je suis un peu déçu. Malheureusement, ce sera pas l'un des points forts de ces PG. Elles pourront tenir un an et demi maximum sur un rythme normal. Et bien sûr, un peu moins pour ceux qui jouent en playground ou pour ceux qui squattent la salle. La semelle intermédiaire a l'air de s'user facilement. Vous pouvez déjà voir des petits plis qui sont présents au niveau de la semelle intermédiaire. Après, je sais pas si c'est le coloris qu'il veut ou pas, mais en tout cas, elles ont l'air de s'user assez facilement. Concernant le revêtement, je peux pas vous donner un avis tout de suite, dans la mesure où ça fait
seulement 2 semaines que je les ai achetés. Mais je vous en parlerai d'ici 2-3 mois sur mon compte Instagram. Donc n'hésite pas à me suivre, comme ça tu resteras informé sur le sujet. Au niveau du tarif, je me les suis procurés pour un prix de 120€. Je trouve le tarif vraiment raisonnable par rapport aux performances qu'elles ont proposées à la Hoops Factory. Je trouve qu'on a un peu de tout avec cette chaussure. Elle reste dans cette lignée où Paul George a toujours proposé des chaussures polyvalentes, un peu à son image d'ailleurs, parce qu'il fait partie des meilleurs two-way players de la NBA. Pour ceux qui souhaitent l'acheter, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Il vous suffit de cliquer, vous arriverez directement sur la fiche produit Nike PG3 sur le site nike.fr. Bon, je vous ai dit pas mal de choses, donc on va faire une petite conclusion, un petit verdict de manière assez synthétique. Design, confort, traction seront les 3 points forts du 3e modèle de Paul George, auquel je rajouterai le prix qui est assez compétitif par rapport aux concurrents sur le marché. Du coup, on a une chaussure stylée, confortable, qui colle plutôt bien au sol sur les différents mouvements, le tout à un prix raisonnable. Concernant les points faibles, personnellement, j'en ai pas vraiment à évoquer, hormis le maintien bien sûr, mais ça concernera qu'une certaine catégorie de joueurs, ce sera ceux qui aiment porter des chaussures collées aux pieds, et ce sera malheureusement pas le cas sur ces PG. Pour les joueurs qui reviennent de blessures ou qui sont omnubilés par les maintiens, vous cassez pas la tête, partez directement sur un autre modèle, allez regarder mes différents tests et vous verrez comment se positionne le maintien d'une paire par rapport à une autre. Du coup, ces Nike PG 3, vous l'aurez compris, sont polyvalentes et correspondront à pas mal de postes sur le terrain. Si je devais vous faire une recommandation, je vous dirais que ça peut aller du poste 1 jusqu'au poste 3, voire les postes 4 assez mobiles, et ça ne posera aucun souci. Voilà, je pense qu'on est bon, on a fait le tour des différents aspects du modèle que portera l'ailier star d'OKC cette saison. Au niveau de la notation, je leur ai attribué la note de 17,5 sur 20. C'est plutôt pas mal, c'est même très bien, et elles viennent bousculer mon classement pour entrer dans mon top 3 des meilleures chaussures de basket à porter en 2019. Pour être tout à fait franc avec vous, c'est pas du tout un coup de cœur, mais je trouve que la paire, en termes de performance et de design, est réellement au niveau de ce que propose la concurrence en 2019. J'espère juste que dans 6 mois, on n'aura pas un modèle PG 3.5 où les languettes seront remplacées par un scratch comme on avait pu le voir sur les précédents modèles. Merci à toi si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Pour mon prochain test, on va rester chez Oklahoma City puisque je vais tester les Jordan Westbrook Why Not 0.2, le tout nouveau modèle de Russ West, qui ont l'air assez massives, mais j'ai comme l'impression qu'elles vont être très performantes. Donc comme tu vois, toutes les semaines, on charbonne, on enchaîne les tests. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me faire part de ton avis juste en dessous dans les commentaires. Tu peux tout me dire si t'es d'accord, pas d'accord, des remarques constructives bien sûr, etc, etc. Je te laisse tout me dire juste en dessous. Bon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!